Partenaire de vos envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs sportifs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Sébastien et aujourd'hui je vous propose une séance de triathlon pour les enfants de 6 à 12 ans. Cette séance se déroulera sous forme de circuit training. Mais avant tout, est-ce que vous savez ce qu'est le triathlon? C'est un enchaînement de 3 disciplines sportives, la natation, le cyclisme et la course à pied. Donc on va essayer d'enchaîner ces 3 disciplines à la maison. Mais avant tout, la natation, elle se fera sans piscine, sans eau. Le vélo, il se fera sans vélo. Et la course, elle se fera sans déplacement. Pour ce qui est du matériel utilisé, on a besoin de chaises, de coussins. Ça donne plus de confort. Et on pourra utiliser du matériel facultatif qui servira à rendre l'activité plus fun. Pour la natation, on utilisera des lunettes, un bonnet, le cyclisme, des lunettes, et la course, des chaussures. Le but de cette activité, c'est d'avoir un travail de renforcement musculaire et de cardio, avec comme activité support, bien sûr, le triathlon. Et tout ça s'effectuera sous forme de circuit training. Le principe, 15 secondes de travail sur un bras de natation, 15 secondes de travail sur l'autre bras de natation, les transitions entre chaque discipline, ça durera 15 secondes, on fera 30 secondes de vélo, après on enchaînera sur 30 secondes de course, et ça fera un tour de circuit. Mais stop, fini les explications. Ça m'a l'air que c'est peut-être compliqué. On va vous faire une démonstration. Et voilà notre athlète. Alors, on commence par la natation. On est bien gainé. La main qui ne travaille pas loin devant. Et on fait un battement. Des grands mouvements amples. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Plus vite, plus vite. Hop, 15 secondes, on change de côté. On s'allonge, hein, la main gauche loin devant. Allez, on tape, battement, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on fait un grand mouvement, c'est de la natation. Ok, transition, on enlève le matériel et on va au deuxième atelier. La natation, c'est fini. On va faire le vélo. Allez, on se dépêche notre athlète. Et c'est parti. Allez, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Vite, 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 on regarde devant, devant, devant. Les bras bien droits, on serre le ventre, on serre les fesses. On pédale, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Ok, on enlève le matériel, on va au troisième atelier, la course à pied. On a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps. 15 secondes de transition. Allez, c'est bon, c'est parti. On lève bien les genoux, on reste sur place, on lève les genoux. Et on maintient un rythme soutenu. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Ok, en 15 secondes, on enlève les chaussures. Et voilà, on a effectué un tour complet. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous choisissez le nombre de tours que vous voulez. Et on remercie notre athlète. Et prenez soin de vous.